Salut à tous, j'espère que vous allez bien par cette belle journée ensoleillée. Apparemment, demain ça va se gâter un peu, mais bon, faut bien qu'il pleuve un peu de temps en temps pour pas devoir arroser, hein. C'est déjà pas si négatif que ça. Alors, aujourd'hui, quelques nouvelles de poissons d'or. En effet, il y a des possibilités maintenant pour retourner chez Poissons d'or à partir de samedi. Donc Poisson d'or sera de nouveau ouvert, mais avec quelques restrictions. Donc j'explique un peu la situation. Déjà, d'une part, il n'est pas possible d'acheter du vivant, c'est-à-dire que ce soit des koi ou bien des poissons d'eau de mer ou d'eau douce. Donc ça, ce n'est pas possible, parce qu'apparemment, ce n'est pas indispensable. Par contre, c'est possible de les recevoir... sans doute d'ici la fin de la semaine, par VPC, par biais du site internet, évidemment. Donc, en définitive, c'est un petit peu ça l'aberration. On peut vendre du vivant par VPC, mais on ne peut pas le vendre dans le magasin. Bon, allez comprendre, je ne sais pas vous en dire plus, mais c'est comme ça. Toujours est-il, bon, Poisson d'or sera ouvert, donc certainement pour la partie bassin, et la partie matériel aquariophile. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, je pense quand même. Hein. Donc il y aura moyen de ravoir de l'eau pour les aquariums, de l'eau douce ou bien sûr de l'eau de mer. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'en satisfaire. Hein. C'est une bonne nouvelle. Évidemment, le nombre de personnes, ce sera sous les mêmes contraintes que les grandes surfaces. Ça sera évidemment avec un nombre de personnes limitées à l'intérieur du magasin. Mais bon, c'est un très grand magasin, donc il y aura déjà pas mal de monde qui peut y venir. Alors par contre, pour les Français, là, c'est une autre histoire, parce que bon, tout simplement, ça ne va pas être possible. Effectivement, les frontières sont fermées. Si jamais on vous chope sur le territoire, et il y aura des contrôles certainement, dans le zoning, si on vous chope sur le territoire, eh bien, vous risquez une amende de 250 euros. Et bon, je pense que ce ne sera pas un risque, vous aurez une amende de 250 euros. Et en plus, vous serez refoulé. Donc, ce qui veut dire que, no way, pas possible pour les Français de venir chez Poisson d'or. En termes de matériel, etc., là, il reste la VPC. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Pour le vivant, là, il va falloir attendre fin de semaine pour mettre tout ça en place, parce que le problème, c'est que les demandes sont tellement nombreuses qu'ils n'arrivent pas à suivre, à emballer. C'est un gros souci. Et comme on ne peut pas, vu les distanciations qu'il doit y avoir, eh bien, ce n'est pas évident de ramener du monde pour faire plus d'emballage, tout simplement, parce que, bon, ça ne le fera pas. Donc, ils préfèrent emballer moins et être sûr de pouvoir rester ouvert, sans quoi, le risque, c'est de devoir carrément fermer. Pour la France, donc, la VPC fonctionne. Pour ce qui concerne les poissons, les coraux, etc., eh bien, le site va être mis à jour de telle manière que vous ne puissiez commander que ce qui est disponible. Parce que, bon, les approvisionnements sont compliqués aussi, du moins en termes de vivants. Hein, etc. Donc voilà, ça va être un peu plus compliqué à ce niveau-là. Par contre, au niveau bassin, eh bien là, tout ce qui concerne les plantes aquatiques, il y a un gros stock qui est rentré. Donc là, vous pourrez vous faire plaisir, pour du moins les Belges, chez Poisson d'or, puisqu'il y aura un gros stock de disponibles. Alors voilà, donc... tout ça, normalement, dans le courant de la semaine prochaine, David et moi, on a décidé de faire un spécial aquariophilie, un question-réponse, comme on a fait pour le bassin. Pour ceux qui n'ont pas d'aquarium, ce sera certainement très intéressant à suivre aussi. Un question-réponse qui va permettre de poser toutes les questions à David concernant l'aquariophilie en général, que ce soit aussi bien en eau de mer qu'en eau douce. Donc, voilà, il y a longtemps qu'on n'en avait plus fait. Ça sera l'occasion non seulement de faire cette émission, mais aussi
d'avoir les dernières infos concernant toutes les possibilités chez Poisson d'Or. Enfin voilà, donc ça c'est quelque chose qui se met en place. Bon, maintenant ici j'ai dû chipoter pas mal. J'espère que maintenant le son de la vidéo est beaucoup plus correct que par le passé. Enfin, c'est tout le souhait que j'ai fait. Comme je n'ai pas de retour sur le son, ben, laissez-moi un petit message pour me dire si ça va ou si ça va pas. Si ça sature encore, je peux encore diminuer un petit peu les niveaux. Il y a toujours des possibilités. Alors, on va faire un petit peu le tour. Johan, salut. Eric, bonjour papy. Le biogros, faut-il couper l'UV? Si oui, combien de temps? Ça fait du bien de tes lives, merci. Eh bien, écoute, Eric, moi, ça fait du bien ton café, hein, tu le sais bien. Donc, hein, il faut savoir que de temps en temps, je vais dire bonjour à Eric. Et ça me laisse l'occasion de boire une tasse de café chez lui, de discuter un petit peu de notre passion commune. Alors, oui, il faut couper l'UV, bien sûr, avec le biogros, puisque ce sont des bactéries. Donc, on laisse l'UV couper 48 heures, et puis ça devrait bien se passer. Donc, mais certainement pas laisser l'UV allumé. Ça ne serait pas un bon plan parce que, bon, forcément, vous allez tuer une partie de ces bactéries, ce qui est un peu regrettable. Alors, de Chagoy, bonjour Patrick et à tous, toutes. Allez, salut à toi, Chagoy. Nono, salut à toi aussi. Philippe, bonsoir. Alex, salut, salut. Rick, superbe live de ton bassin. Bah, c'est une petite vidéo que j'ai faite ce matin, comme ça, en vite fait, bien fait, comme on dit, à l'aide de mon smartphone. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça s'est coupé parce que bon, j'étais trop loin de la maison et que finalement, bah, le Wi-Fi n'a pas suivi. Bon, la prochaine fois, je serai avec la 4G en espérant que celle-ci tient le coup et puis bon, ça me permettra de me balader plus loin dans le jardin. Alors, que penses-tu d'introduire des gambusies dans le bassin à Coy? Ben, les gambusies, ça dépend des lieux où tu crèches en réalité, parce que bon, les gambusies en hiver, ça ne le fait pas vraiment, donc il faut les rentrer en principe pour les mettre à l'abri du gel, etc. Donc, les gambusies, bon voilà, ce sont des tout petits poissons. Si tu as un tout petit bassin, ça le fait très bien. Si tu as un grand bassin, après pour les récupérer, bonne chance, hein. Ça, c'est pas si simple. Sinon, il n'y a pas de contre-indication à proprement parler, hein, sur ces poissons-là. Évidemment, il faut peut-être éviter de mettre des gambusies avec des hyménes mélanotes, parce que les hyménes mélanotes, ça chasse. Et ça va plutôt les consommer que les regarder. Donc voilà. Julien 77, bonjour à toi. Jules Galerne, bonjour. Que penses-tu du combi 40 de Vincent? Ben, c'est un très bon filtre, hein. Les filtres tambour de Vincent, il n'y a rien à leur reprocher. J'ai aussi des nouvelles de Vincent, entre parenthèses, qui se retrouve aussi un petit peu dans le marasme, puisque bon, ils pouvaient continuer à produire les tambours. Il y en a quelques-uns qui sont faits, mais bon, il y a des pièces manquantes et il y a des problèmes d'approvisionnement, notamment en inox. Donc voilà, ça devient un peu compliqué pour lui de finaliser les commandes, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur les tambours de Vincent, et à juste titre, parce que ce sont certainement les tambours les plus fiables du marché, enfin jusqu'à présent, hein, donc. Il n'y a rien à dire, ça fait plus de 10 ans qu'il en fabrique, plus de 10 ans que bon, on est occupé aussi, parce que bon, moi de temps en temps, je lui ai donné quelques idées pour améliorer ses tambours, etc. Donc voilà, et ça a bien évolué, et c'est super sympa. Alors, de Julien 77, Patrick, j'ai une question, pendant combien de temps il faut couper les bulles dans le filtre à tapis japonais quand on rajoute des bactéries? Alors, il ne faut pas les couper les bulles dans les filtres à tapis japonais. C'est uniquement au stade du démarrage du bassin. Quand c'est un tout nouveau bassin, il faut coloniser le filtre. Et là, à ce moment-là, on arrête les bulles pour que les bactéries puissent s'installer correctement dans les tapis japonais. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, on peut rajouter évidemment des bactéries. On met la moitié dans le bassin et l'autre moitié dans le filtre, et il n'est pas nécessaire à ce moment-là de couper les bulleurs.
qui aère les tapis japonais. Donc voilà, il y a pas de. Par contre, l'UV, ça, il faut couper, bien sûr. Hein, donc voilà. Alors, Derek, j'ai un Deutsche d'automne à aller chercher chez Poisson d'Or. On patiente, on a acheté des Nissay, on récupérera Sensay. Ah, oui, bien sûr, c'est un petit peu particulier cette année. Mais non, Rick, si tu es en Belgique, ben, tu pourras même pas aller les chercher, puisque bon, on ne peut pas sortir avec des poissons de chez Poisson d'Or pour le moment. Par contre, tu peux les avoir par expédition. Donc, ça, c'est possible de les expédier, que ce soit en Belgique ou en France. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Ça se passe généralement très bien. Alors, Derek, toujours. Patrick, avec ton expérience, tes connaissances et je pense la technique pour photographier les koi, tu n'as jamais pensé à faire un livre pour laisser une trace après ATB? Bah, je pense que j'ai déjà expliqué, je ne suis pas trop enthousiaste pour écrire un livre. Ou bien il faudrait que j'ai un scribe pour dicter le livre en question. Parce que bon, voilà, après, faire un livre, c'est compliqué, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'il en faudrait plusieurs pour faire le tour de la question du bassin. Mais enfin, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est compliqué, il faut trouver un éditeur, etc. Ça coûte cher. Moi, je n'ai pas les moyens financiers pour pouvoir publier un livre sous compte personnel. Donc, c'est un petit peu compliqué. Bon, maintenant, après. Peut-être un jour, hein, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Alors, de Benoît, bonjour Patrick, est-ce que si je mets du Malamix 17, quelques koi peuvent faire une mauvaise réaction à ce produit, comme pour les médicaments? Merci à toi. Non, le Malamix ne devrait pas occasionner de problème, quel qu'il soit. Voilà, il y a pas de souci, tu peux mettre ton Malamix. Ça n'aura qu'une action négative, plutôt le contraire, une action positive sur les poissons, mais certainement pas négative. Alors, Derek, le son est nickel. Ben, je te remercie, Rick, ça me rassure parce que, bon, voilà, hein, Benoît dit la même chose. C'est sympa de me faire le retour là-dessus. De Julien, bonjour Patrick, pour un airlift de 1 mètre ou 100 centimètres, combien de débuts peut-on espérer? Même question pour un airlift de 1,40 m. Alors là, je dirais que l'idéal, ce n'est pas 1,40 m, mais c'est 1,50 m. On peut faire les airlifts entre 1,50 m et 1,70 m. Tous les essais qui ont été menés avec des versions inférieures à 1,50 m, le rendement n'est pas très bon. Parce qu'il faut le temps que les bulles puissent entraîner l'eau, hein, ça c'est le principe de l'airlift. Donc si tu dois faire un airlift, pense à faire plutôt 1,50 m, sans quoi ben, tu vas perdre énormément de débit en le faisant à 1 mètre. Ça fonctionnera, c'est sûr, mais bon, le rendement, c'est-à-dire le rapport watts consommés, quantité d'eau déplacée, sera mauvais. Donc, c'est pas vraiment, vraiment une bonne idée. Alors, Karachi 62, son parfait, ben merci. Bonjour à tous, Tony. Tony, conseillez-vous les distributeurs automatiques de nourriture pour les poissons si on n'a pas forcément le temps de donner plusieurs fois? Si oui, y a-t-il un modèle conseillé? Alors, oui, Tony, je le conseille vivement, hein, puisque bon, dans la belle saison, quand la température de l'eau le permet, et qu'on arrive avec une eau vers les 20 degrés, on peut nourrir jusque 10 fois par jour. Donc il faut adapter évidemment la quantité de nourriture en fonction du nombre de poissons, etc. Alors je ne connais pas le nom du modèle, le meilleur système encore qu'il y a sur le marché pour le moment, c'est un espèce d'entonnoir, hein, vous trouvez ça facilement dans tous les shops, je dis, spécialisés en bassin. Donc, c'est un espèce d'entonnoir dans lequel vous mettez la nourriture. Il y a un petit tableau de commande où vous pouvez donner, je crois, si mes souvenirs sont bons, 6 fois par jour, ce qui est déjà très bien par rapport à une seule fois. Donc, et aussi, c'est un système avec, je veux dire, un petit moteur qui est un excentrique, qui fait vibrer le tout et ce qui fait descendre la nourriture et la distribue évidemment au niveau du bassin. Alors,
Ça, c'est un très bon système parce que bon, ça permet de mettre quand même une assez grosse quantité de nourriture dedans. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. C'est pas excessif en prix non plus. Et ça, c'est pour moi, jusqu'à maintenant, encore le meilleur des systèmes. Donc, vous trouverez ça assez facilement dans tous les shops sur le net. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, de Bernard, Gilles, bonjour Patrick. S'il y a des pierres calcaires dans le bassin, est-ce que ça va influencer le KH ou le GH? Oui, ça va influencer. C'est pas trop conseillé de mettre des pierres calcaires, à moins d'avoir vraiment une eau de robinet qui est très douce. Si vous avez une eau de robinet, c'est toujours intéressant de tester votre eau du robinet pour savoir quel est le KH et le GH. Donc, qui est normalement dans, je veux dire, plus de 90% du temps avec des valeurs relativement élevées de GH et de KH, eh bien, dans ces cas-là, les pierres calcaires ne sont pas trop souhaitables dans le bassin. Maintenant, bon, évidemment, ça dépend où dans le bassin. Si ça reste dans une eau relativement calme, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Si vous mettez dans une cascade, là, ça peut déjà commencer à influencer. Et voilà quoi. Donc maintenant, c'est surtout le GH qui risque de monter plutôt que le KH. Et bon, jusqu'à un certain point, ça va, mais au-delà d'un certain point, ça devient pas bon pour les poissons non plus. Donc, ce qui vous obligerait à augmenter les changements d'eau, ce qui, je suppose, ne vous arrangera pas trop. Alors, de Thierry, bonsoir Patrick. Petite question sur les skimmers. T'as laissé le panier de récupération des feuilles ou tout va vers le filtre à tambour? Ah, je précise, pour l'instant, mon filtre à tambour n'est pas en service. Hein, vous voyez, je vais essayer de me supprimer. Voilà. On voit bien les poissons, l'eau est bien claire, etc. On voit le fond du bassin, il n'y a pas de problème. Mais depuis que j'ai lancé tout le système avec le BioGrow, eh bien, mon filtre à tambour était hors service. Donc, moi, j'ai nettoyé grossièrement, simplement mon filtre à l'aide d'une pompe vide-cave qui est d'ailleurs toujours sur le côté du bassin. Et rien d'autre. Donc, en finalité, le tambour est pour le moment bypassé. Pourquoi? Parce que, bon, il était prévu avec Vincent d'upgrader mon tambour, puisque moi j'ai le tout, tout gros tambour, forcément, c'est un grand bassin. Donc, d'upgrader ce filtre. Donc, moi j'avais déjà démonté une partie, et puis j'avais démonté tout ça juste quelques jours avant le confinement et en préparation. Et puis finalement, il y a eu le confinement, donc moralité, le filtre à tambour est toujours hors service. Et il l'est toujours à l'heure actuelle. Donc ici, on ne parle pas du filtre à tambour pour les questions de filtration. Donc, et bon, les paniers sont effectivement dans les skimmers. Bon, les feuilles, évidemment, je dois les enlever régulièrement parce que ce ne sont pas des très grands paniers. Donc, tout rentre dans la filtration directement. Il n'y a pas de pré-filtre. Donc, c'est les tapis JAP qui prennent tout. Et voilà. Sauf que les feuilles sont arrêtées par les skimmers, bien entendu. Alors, moi, ici, les skimmers ne fonctionnent pas sur le principe des airlifts. Donc, il y a une pompe dédiée qui fait fonctionner les deux skimmers. Là, il y a vraiment intérêt à mettre les paniers chez moi. Pourquoi? Parce que il y a aussi des grenouilles. Et si les grenouilles sont aspirées directement et vont jusqu'au niveau de la pompe, si la pompe aspire la grenouille, comme il y a des eaux dans les grenouilles, eh bien, ça cale la pompe et ça risque de la cramer. Donc là, il faut faire attention quand on utilise une pompe pour le skimmer, de toujours avoir un panier. Parce que sans quoi, eh bien, ça risque de péter la pompe. Sauf pour ceux qui sont vraiment en gravitaire pur, bon, le risque est vraiment très limité. Alors, Laurent, bonjour Patrick. Depuis quelques temps, mes feuilles se frottent souvent et sautent. Je sais qu'il faut faire un frottis, mais pas les connaissances. Je pense faire un traitement Lernex Pro. Ce n'est pas une bonne idée. On ne traite jamais un bassin sans avoir une cause éventuelle de problème quelconque. S'ils font que se frotter et sauter, bon, c'est pas dramatique en soi. Il y avait une expression qui dit, fait des sauts de carpe quand on a une nuit agitée.
Donc, et les carpes, elles miroitent, hein, elles miroitent. Donc, ce n'est pas pour autant qu'ils sont blindés de parasites. Et on ne traite pas à l'aveugle comme ça. Ce que je te conseille, c'est d'acheter un petit microscope quand ils font la réclame chez Lidl ou Aldi. Ça ne coûte pas très cher. Et puis bon, il y a généralement les derniers microscopes sont pourvus d'une petite caméra. Et ça permet éventuellement d'envoyer sur Internet des photos qui ont été prises d'éventuels parasites. Et à ce moment-là, on fait un traitement, mais pas comme ça, sans savoir de quoi il s'agit. Le chagoy, que préfères-tu? Malamic 17 ou un Arix bio? Moi, je préfère le Malamix. C'est un produit qui est beaucoup plus équilibré que l'Anarex, c'est moins agressif. Aquarium et décoration de Noël. Bonjour, est-ce que je peux mettre des poissons rouges tête de lion dans mon bassin? Oui, c'est toujours un poisson rouge, hein. Mais vaut mieux les sortir pour l'hiver, hein. Mais les têtes de lion, ça devrait le faire, pas de problème. Alors, de Julien, merci à toi pour la question concernant les aérolithes. Je cherche un débit de 13 à 15 mètres cubes. Dans ce cas, 1,40 m est donc suffisant. Mais si tu as 1,40 m, pourquoi pas faire 1,50 m, hein? Donc, il faut laisser 10 cm, donc ça fait un trou de 1,60 m. Donc, essaye de faire les 10 cm en plus, là, tu y gagneras énormément. Hein, avec le débit de 41 minutes, par exemple, avec 41 minutes, tu auras largement tes 13-15 mètres cubes, ben, il n'y a pas de problème. Alors, de Laurent, pour le retour d'eau en sortie de filtre, il vaut mieux dans l'eau au-dessus où il y a un sens horaire ou anti-horaire à donner. Pour le retour d'eau en sortie de filtre, tu rentres et de préférence sous le niveau de l'eau. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas un sens réel à donner. Je ne vois pas très bien si c'est pour créer un mouvement dans le bassin. Bon, bien sûr, bon, que ce soit horaire ou anti-horaire, ça ne change pas fondamentalement grand-chose. Alors, de Karachi, 62, faute de Malamix, un apport d'Anarex peut-il faire du bien après un traitement au FMC en espérant. Ça, je ne conseille pas quand même, hein, parce que le mieux, quand tu as fini le traitement du FMC, l'idéal, c'est de faire un bon changement d'eau et puis de remettre des bactéries dedans. Voilà. Sinon, si tu veux du Malamix ou n'importe, tu sais toujours le commander parfait PC assez facilement, donc ça arrivera relativement vite chez toi. Donc il n'y a pas de problème. Alors Tony, merci pour votre réponse. Je vais regarder ça. Je ne pensais pas qu'on devait donner jusqu'à 10 fois par jour de la nourriture. Mais écoute, Tony, c'est toujours une question de savoir ce qu'on veut en finalité. Bon, les gens qui donnent une dizaine de fois par jour, c'est parce qu'ils achètent des poissons en général un peu plus de qualité et qu'ils espèrent obtenir du body et de la croissance. Alors, du body et de la croissance, on l'obtient comment? Eh bien, en donnant beaucoup de fois à manger. L'idée, c'est de dire quoi? C'est que si on donne une fois par jour des grosses quantités, il y a une grosse partie de la nourriture qui va être gaspillée parce qu'elle ne va pas être métabolisée, tout simplement. Donc, c'est mieux de donner plusieurs fois des petites quantités aux poissons, ce qui leur permet de bien métaboliser la nourriture qu'on donne. Et ça ne fait pas de gaspillage, d'une part, et d'autre part, ça ne crée pas de pollution dans le bassin. Parce que, bon, quand on donne en une seule fois des grosses quantités, ça va créer forcément une pollution dans le bassin supplémentaire qui n'est pas vraiment nécessaire. Donc, non seulement on gaspille la nourriture, mais en plus, on pollue le bassin. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc, c'est mieux de donner plusieurs fois des petites quantités. Bon, là, il y a beaucoup de gens qui sont à l'arrêt pour le moment à cause du confinement. Bon, là, ce n'est pas vraiment un problème. Mais quand on bosse, évidemment, ça devient un problème. Et là, le nourrisseur devient une bonne solution pour pallier à ce problème-là. Après, rien n'empêche de donner encore quelques compléments parce que les écueils sont vraiment des goulafes.
Donc, si vous leur donnez 100 fois à bouffer par jour, ils vont aussi attaquer la nourriture. Hein. Bon, ici, le distributeur que j'ai parlé, bon, je crois qu'on peut aller jusqu'au maximum 6 fois par jour. Ben, ça, c'est déjà très bien. Hein. On n'est pas obligé d'aller à 10 fois par jour, mais c'est possible d'aller jusqu'à 10 fois par jour, mais pas avec cet appareil-là. Donc, voilà. Mais après, voilà, c'est pas 6 fois par jour distribuer de la nourriture plutôt qu'une fois par jour, ça c'est vraiment une très bonne chose, surtout dans la période estivale, quand les températures sont relativement élevées. Donc sinon, eh bien, forcément, ben, voilà, vos coins ne grandiront pas, ils n'attraperont pas de body, et voilà, c'est tout simple. Hein, ou bien ils vont être difformes, hein, ils vont faire des gros ventres et des choses comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne solution de donner qu'une seule fois par jour. Alors, de Benoît, je vais réaliser ma cascade prochainement avec des pierres de Bourgogne. D'après toi, ça peut-il poser problème? Oui, parce que les pierres de Bourgogne, ça, c'est vraiment calcaire. Elles vont vraiment s'user. Donc, c'est vraiment pas vraiment une bonne idée. Donc, j'éviterai d'utiliser ce type de pierres-là. Bon, après. Libre à toi, hein, si tu les as déjà, évidemment, c'est autre chose. De Julien, Icarie est vraiment une très bonne nourriture? Oui, bien sûr, c'est vraiment une très bonne nourriture. Mais bon, c'est aussi une des nourritures les plus chères du marché. Alors, il faut savoir que pour les Icaries, toutes les nourritures ne se valent pas chez Icarie, c'est comme partout. Hein. C'est principalement la Saki Icarie qui est vraiment d'une qualité supérieure, mais la Saki Icarie, c'est pas vraiment donné non plus. Hein. Donc, voilà. Alors, aquarium à décoration, est-ce que dans un bassin, un besoin d'une filtration, je vais faire un bassin naturel. Est-ce que les granulés, c'est bon pour les poissons rouges? Alors, je vais être très clair avec toi, aquarium à décoration, c'est qu'un bassin naturel, ça ne fonctionne pas quand c'est un bassin décoratif. Faut savoir que les poissons rouges ou les koi, ce sont des gros pollueurs. Alors, si tu veux faire un bassin naturel, fais au moins un lagunage, c'est un minimum, et essaye de le faire correctement, ça c'est une autre histoire. Voilà, sans mouvement de l'eau, ça va devenir une fosse à purin, c'est tout. Hein? Si tu veux garder un bassin vraiment de la bonne manière, il faut filtrer, il n'y a pas de solution. Et si tu mets des poissons rouges et que tu veux garder que des poissons rouges et que tu ne veux pas de koi, alors dans ce cas-là, tu ne leur donnes pas à manger. Ils vont se démerder, un risque va tomber du ciel avec les insectes, etc. Mais évite de donner à manger parce que ça va directement déséquilibrer le bassin et tu vas avoir que des misères. Tu seras blindé d'algues, des machins, ça va devenir nauséabond. Donc, le minimum, c'est qu'il faut une circulation d'eau dans un bassin, sans quoi aussi tu vas avoir un nid à moustiques. Donc quand tu iras dans ton jardin, ben tu vas être bouffé par la moustique. Donc, parce que les moustiques font leur reproduction dans de l'eau stagnante. Et si l'eau est en mouvement, ben ils feront pas de reproduction. Donc voilà. Donc moi je te déconseille vivement de faire ça. Les bassins naturels, c'est pour les gens qui ont un rêve, des idéalistes, mais ça ne peut pas fonctionner à partir du moment où on met des poissons dedans. Ça peut fonctionner s'il n'y a pas de poissons, ou bien si on met très peu de poissons et qu'on ne leur donne pas à manger. Alors là, oui. Mais dans le cas contraire, ça ne fonctionnera pas. Alors, de Jules Galerne, rebonjour Patrick, que penses-tu des pompes tubes? Ouais, ce sont des très bonnes pompes. Hein. Bon, le problème avec ces pompes tubes, c'est que parfois, il y en a certaines qui sont pas tout à fait étanches et qui peuvent donner des pertes électriques dans le bassin, donc ça c'est pas très 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 marrant, surtout si on se met les doigts dans le bassin. Mis à part ça, évidemment, ça permet d'avoir des gros débits, hein. Ce sont des pompes à hélice, donc ça permet d'avoir des gros débits avec une consommation, on veut dire, raisonnable. Quoi qu'il faut être prudent quand on achète les pompes comme ça, parce que bon, il y a des modèles qui sont quand même très énergivores. Et d'autres modèles qui le sont moins. Donc il faut bien regarder les spécifications techniques si vous voulez mettre ce type de pompe dans un bassin. Après, bon, voilà, je n'ai rien contre ces pompes-là en particulier.
Alors, de Dominique, bonjour. As-tu déjà utilisé les Acelles dans tes filtres? Non, je n'ai pas utilisé d'Acelles dans mes filtres. Je ne vois pas l'intérêt. De toute façon, les Acelles, si elles doivent venir, elles viennent tout seules. Et puis, ça ne va pas changer la vie du filtre dans des proportions magistrales. Donc, voilà. Maintenant, s'il y en a, c'est très bien. S'il n'y en a pas, c'est encore très bien. Donc ici, le filtre est adapté au volume du bassin, ça, c'est pas vraiment utile. Mais enfin bon, ça se colonisera tout seul de toute manière. Alors, est-ce que je peux, d'aquarium décoration, est-ce que je peux donner du pain à mes poissons rouges? De préférence, du pain complet, certainement pas du pain blanc. Il faut éviter de donner du pain parce que bon, voilà. Et si tu veux faire un bassin naturel et qu'en plus tu mets du pain dedans, alors bonne chance, hein, je te raconte pas les misères que tu vas avoir. Enfin, ça, c'est un autre problème. Alors, de Laurent, dans un filtre Aquavert Edouana 3, puis-je remplacer le flocor en dernier champ par du tapis japonais? Et je pense mettre le filtre à gris dessus. Grand intérêt, oui, le filtre à gris, ça va faire un gros changement parce que ça va soulager évidemment les brosses, mais il faut surtout pas enlever les brosses. Donc, parce que les brosses vont être beaucoup plus chargées qu'ils ne sont par avant. Pourquoi? Parce que le filtre à gris a comme inconvénient, si tu veux, de hacher tout fin. Donc, les brosses, ça devient vraiment important dans ce genre de filtre avec une grille. Donc, remplacer les flocons du dernier tapis par des tapis japonais, oui, ça va certainement améliorer le fonctionnement de ton filtre. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Faut-il mettre trois mousses au-dessus ou autre chose? Non, il n'y a pas besoin de mettre les mousses, tu mets tes tapis japonais, point barre. Seule chose qu'il y a, c'est que si tu mets le filtre à gris, il va falloir quand même tenir compte de bien regarder ce qui se passe au niveau de, comment vais-je dire, de tes brosses, parce qu'elles vont se saturer relativement vite. Donc, pour ne pas devoir nettoyer tes tapis régulièrement, eh bien, c'est quand même préférable de donner un coup sur les brosses plus régulièrement, histoire de faire fonctionner la filtration mécanique. Le filtre à gris va déjà retenir toutes les grosses particules et les feuilles, etc. Donc, ça, c'est super. Par contre, les brosses, elles vont saturer beaucoup plus vite et elles seront beaucoup plus lourdes qu'elles ne le sont maintenant. Après la même période de temps. Mais c'est une très bonne chose, hein. Ça fonctionne très bien, ce système-là, il n'y a aucun souci. Tony, d'accord, merci pour le complément d'information sur le nourrissage écueil. Je n'ai pas encore, et j'essaye de me renseigner le plus possible avant d'acquérir pour ne pas faire de bêtises. Eh bien, tu as raison, Tony, hein, c'est ce qu'il faut faire. C'est le but de ces lives aussi, c'est de vous aider voilà, et de moi, ce que je peux vous donner, c'est mon expérience sur les différentes choses. Et puis après, vous faites encore comme vous voulez. Hein. Mais bon, voilà. Mais là, tu ne te tromperas pas avec le nourrisseur en espèce d'entonnoir. Hein, tu verras. Il y a un couvercle noir dessus, un petit boîtier. C'est assez facile à installer. Il y a la potence qui est mise, mais il faut encore juste mettre un mât et le fixer, bien entendu, pour qu'il ne tombe pas dans l'eau. Parce que là, ce serait évidemment. Malheureux, ça n'est pas prévu pour être immergé. Alors, de Pierre, bonjour. Le biofilm de mon bassin est en train de se réduire en épaisseur et de virer vers au marron. Est-ce un problème? Ah oui, ça c'est un problème. Alors, je vais dire, un bassin qui n'a pas de biofilm est un bassin malade, comme un bassin qui n'a pas d'algues est un bassin malade. Donc, ça veut dire que tu as fait certainement un traitement assez violent. Et ça ne convient pas du tout, ou bien il y a des métaux lourds qui sont allés dans ton bassin ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que là, c'est pas normal du tout que ça vire au marron. Là, tu risques d'avoir des problèmes avec tes poissons qui vont suivre. Ça, c'est évident. Donc là, il faut commencer à analyser qu'est-ce qui fait que le biofilm est en train de changer et passer au marron, du vert au marron. C'est pas normal du tout, donc il y a un gros bins. Il faut voir ce que tu as fait dans ton bassin. Là, je peux pas t'aider, voilà, comme ça, sans avoir des informations complémentaires. Alors, d'Enrique, pour un lagunage, tu fais un très beau doc avec le Brenois, bravo.
Ben écoute, oui, le Brenois a fait ça correctement, hein, donc il y a certainement encore des choses à améliorer, mais bon, déjà, il avait la possibilité de nettoyer son lagunage. Je crois que c'était important aussi de revoir ceux qui veulent un lagunage des plantes, cette vidéo, pour la bonne simple raison que déjà, il avait fait une plantation qui faisait faire des crises cardiaques à ses poissons, et il a dû chercher pas mal de temps avant de découvrir quelle plante était toxique au point de déclencher des crises cardiaques chez les poissons. Donc, à voir pour ceux qui ont des lagunages, pour ne pas mettre ce type de plante, évidemment, dans le bassin. Alors, de Julien, Patrick, pour toi, comment tu sais si un koi a du potentiel en body ou en couleur? Et si les couleurs vont évoluer? Alors là, c'est compliqué à t'expliquer. Il faudrait, pour bien faire, pour ce genre de choses, tu vois, Julien, qu'on se retrouve par exemple dans un magasin où il y a quand même pas mal de pièces, et puis de voir un petit peu, de discuter, de te montrer, parce que bon, faire un tuto là-dessus, c'est quasiment pas mission impossible. Parce que ça dépend aussi des variétés, une variété n'est pas l'autre, donc c'est assez compliqué à expliquer comme ça. Donc bah, peut-être quand le confinement sera terminé, peut-être qu'il y aura possibilité de le faire sur des endroits comme chez Japan Koi, ou bien chez Normandie Koi, ou bien chez Poisson d'Or, eux qui ont quand même beaucoup de pièces, de pouvoir discuter sur ce genre de choses. Pourquoi pas faire un petit séminaire là-dessus un jour ou l'autre, hein, donc. Et pourquoi pas chez les trois, hein, donc voilà. Alors, d'aquarium et décoration, du coup, il faut que j'achète une pompe de bassin où je peux mettre une pompe d'aquarium avec un filtre. Non, pompe d'aquarium, ça ne va pas le faire parce qu'un aquarium, c'est un aquarium et un bassin, c'est un bassin. Et que dans un bassin, les conditions sont telles que ta pompe d'aquarium, elle va claquer vite fait. Parce que ce sera les déchets vont être beaucoup trop grands, ça va poser un tas de problèmes, ça va pas le faire. Donc ne confonds pas aquarium et bassin, c'est deux choses complètement différentes. Et les pompes d'aquarium, elles vivent pas très longtemps dans un bassin. Alors voilà. Alors Gilbert, bonjour à tous. Pour le changement d'eau, combien à quelle quantité? Alors idéalement, on dit pour ceux qui ont des koi de valeur, bien sûr. De faire un changement d'eau de 10% par semaine. Si on fait déjà 5% par semaine, c'est déjà pas mal, parce que la plupart des gens ne font pas suffisamment de changement d'eau et ça cause réellement de gros problèmes aux poissons. Donc, moi je conseille minimum, Gilbert, 5% de changement d'eau toutes les semaines pour éviter pas mal de soucis avec les poissons. Alors, il faut savoir que 5% d'eau, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais ça coûte toujours beaucoup moins cher que les traitements, etc., quand il faut en faire. Donc, ça permet de garder ces poissons en bonne santé. Si je m'efface, tu vois les poissons qui sont là, il n'y a aucun poisson, le bassin n'a jamais connu de traitement. Par contre, les changements d'eau peuvent être très conséquents chez moi, puisque quand il pleut, eh bien, il y a de l'eau qui descend de la forêt, et parfois avec des quantités vraiment astronomiques. Donc, voilà, ça c'est le secret pour maintenir, je veux dire, des poissons en bonne santé et limiter la casse tant que peut se faire. Parce que bon, sans changement d'eau, ben, il y aura de la casse, c'est inévitable. C'est comme ça, on ne peut rien y changer. Alors, pour Enrique, conseilles-tu dans un Biotech 30 de remplacer les mousses par du tapis japonais? Bon, tu peux le faire, hein, mais finalement, les mousses, ça va très bien. Donc, un Biotech 30, c'est un Biotech 30, hein. C'est pas, je veux dire, pour moi, le top en termes de filtration, parce que bon, voilà, mais bon, ça dépend aussi de combien de mètres cubes de bassin tu as, hein. Si tu l'utilises à bon escient, si tu as un bassin de 10 mètres cubes, avec un Biotech 30, ça le fera bien, si tu as 30 mètres cubes, ça le fera pas. Donc, t'es mieux de changer de filtration, alors, dans ce cas-là, hein. Donc, de voir ça, Biotech 30, ça peut intéresser du monde, notamment pour des bacs de quarantaine ou des choses comme ça. Donc tu sais toujours le vendre en occasion, le cas échéant. Alors, de Karachi, un cache bas peut-il engendrer de l'écume? Pas forcément, non, le cache ne va pas engendrer de l'écume. L'écume est engendrée simplement par d'excès d'albumine.
Hein, l'albumine, en fait, il faut savoir que les poissons font pipi, si vous voulez, en permanence toute la journée. Donc, cette albumine peut générer de l'écume. Et s'il y a de l'écume qui est générée, ça veut dire en général qu'il y a un déséquilibre avec la filtration. Alors ici, tu peux voir, il n'y a pas d'écume chez moi. Même si je ferai aller la cascade, il n'y aura toujours pas d'écume. Tout simplement parce que la filtration, elle tourne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et que bon, voilà, même que j'ai nettoyé la filtration, etc., eh bien, le filtre, il est tout à fait opérationnel. Donc, a fortiori, ça permet de ne pas avoir d'écume. Si tu as de l'écume, c'est que tu as un déséquilibre, que ta filtration n'est pas assez puissante ou bien qu'elle n'est pas démarrée. Peut-être que tu as arrêté ta filtration en hiver, je ne sais pas. Et que bon, il faut du temps pour redémarrer une filtration, hein. Un bassin comme le mien, avec le filtre qu'il y a ici, il faut compter un an pour dire qu'il soit complètement opérationnel, le filtre. Donc, il n'est pas question d'arrêter la filtration, sans quoi ça me poserait vraiment de gros problèmes. Et voilà. Donc, ça, c'était pour le cache de Stéphane. Bonjour à tous et merci pour vos nombreux conseils. Que pensez-vous du super tab utile? Non, indispensable. C'est quelque chose que vous devez avoir en permanence chez vous. Parce que si vous avez une attaque bactérienne, le temps de réaction, c'est 48 heures. Donc, à partir du moment où vous constatez que vous avez une attaque bactérienne, parce que bon, vous avez vos poissons qui se frottent, qui commencent à avoir des rougeurs légères, etc., eh bien, il faut diminuer la pression bactérienne. Et ça, c'est le moyen le plus rapide pour le faire. Donc, pour moi, SuperTap, c'est quelque chose qui est indispensable à avoir dans la pharmacie du bassin. Et voilà, ce n'est pas utile, c'est indispensable. Je pense que voilà, il y a le SuperTap. Ça, c'est une possibilité. Je parle du SuperTap parce qu'il est disponible en France. Mais sans quoi, il y a aussi le Vircon qui fonctionne très bien, mais qui lui est interdit à la vente en France. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on parle plus du SuperTap que du Vircon, mais les deux produits le font très bien. Donc, vraiment indispensable à avoir chez soi, parce que le jour où vous avez vraiment une attaque bactérienne, on dit, voilà, tu faut baisser la pression bactérienne, et que vous n'avez pas de SuperTap, si vous le commandez en ligne, etc., le temps que ça arrive chez vous, vous commencez à avoir de la quinzaine, je vous préviens, c'est violent de chez violent, une attaque bactérienne. Alors de Laurent, pour le frottis, je crois que ce qui me fait peur, c'est d'arriver à attraper les poissons. Je ne sais pas comment faire. Laurent, là aussi, hein, j'avais fait une vidéo notamment chez Poisson d'Or, hein, sur le fait de pêcher des poissons. Finalement, ça ne dure pas très longtemps, hein, de pêcher des poissons. Il faut s'entraîner un peu, et puis voilà. Hein, ça sort des poissons assez facilement dans n'importe quel bassin, hein, sauf pour les tossailles, évidemment, les tossailles. Les tout petits poissons, c'est vraiment très nerveux, c'est quasiment pas possible de les sortir. Donc là, il faut un filet pour les attraper, sans quoi un filet pour tirer vraiment et attraper les poissons. Mais sans quoi, si on a une grande épuisette avec un fond plat et pas un fond vraiment important, ça le fait très bien, hein. Donc il n'y a pas de souci, il faut avoir une bonne épuisette et puis c'est assez simple à attraper les poissons. Alors, de Benoît, j'ai déjà les pierres de Bourgogne. Quelle réaction peut se passer si je fais la cascade quand même? Écoute, Benoît, tu vas avoir ton GH qui va augmenter. Il faudra surveiller ça, parce qu'il ne faudrait pas que non plus ton GH devienne trop important. Et éventuellement, tu peux pallier ça facilement en faisant tes changements d'eau. Donc, il faut surveiller simplement. Mesurer le GH de ton eau de robinet, et puis quand tu fais les mesures, quand ta cascade sera fonctionnelle, que tu fais tes mesures de surveiller le GH pour ne pas faire exploser le GH dans ton bassin. Donc fais ta cascade quand même, et puis de toute façon, les changements d'eau, c'est jamais mauvais, et quand bien même tu ne dépasseras jamais les doses normales. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas de changement d'eau, et là, ça pourrait poser éventuellement un problème si on commence à monter le GH vraiment trop, 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 trop fort. De Julien,
Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Ben, écoute, je ne fais que répondre à vos questions, hein, rien d'autre. Hein. Alors, Laurent, si une attaque bactérienne sur les poissons super top va régler le problème? Oui, il va peut-être pas régler le problème parce qu'il peut y avoir des pressions bactériennes parce qu'on est en sous-filtration, par exemple. Ça ne va pas régler le problème de la sous-filtration, ça c'est évident. Hein. S'il y a une attaque bactérienne, il doit y avoir une cause à cette attaque bactérienne. Donc il faudra éventuellement chercher la cause et y remédier. Mais ça permet de manière, je veux dire, rapide, de diminuer cette pression bactérienne et de faire qu'il n'y a pas de casse au niveau des poissons. Mais il n'est pas question, évidemment, de travailler avec du SuperTAP en permanence parce que vous êtes en sous-filtration. Hein. Si votre bassin n'est pas équilibré, il faut l'équilibrer, ça c'est impératif. Et pas taper du SuperTAP à tort et à travers pour essayer de ceci ou de cela. Et certainement pas utiliser le SuperTAP en préventif. Hein. Il n'y a rien en préventif pour le bassin. Donc ne faites pas ça. Hein. Le SuperTAP, ça va vraiment aider vos poissons à supporter une attaque virulente, une attaque bactérienne virulente. Et bon, sans quoi, vous allez perdre des quantités de poissons. Hein. Avec une grosse attaque bactérienne, vous allez pouvoir perdre 60-70% de vos poissons hein, sur une semaine de temps. C'est pas rien, quand même. Hein. Donc, faites attention à ça. Alors, de Titi, bonjour Patrick, je suis à Lyon. Eh bien, écoute, moi, je suis à Namur, hein, pas loin de Namur. Hein, Lyon, que je connais bien d'ailleurs. Bassin 34 mètres cubes en gravitaire. Tambour 200, suivi 100 litres Helix, 2 mètres cubes de tapis japonais. Il tourne depuis 2 ans et le tapis semble comme neuf. Est-ce normal? Ben oui, c'est normal. Ça veut dire que Vincent fonctionne bien. Donc ton filtre à tambour enlève vraiment toutes les merdes. Moi, ce que je te conseille quand même, si tu as la possibilité de le faire, c'est de temps en temps faire un bypass sur ton tambour. Donc de faire en sorte qu'une partie de l'eau ne passe pas par le tambour pour envoyer un peu plus de crasse dans les tapis jap, ce qui ne serait pas une mauvaise chose. Mais bon. Voilà, ben, si tes tapis sont comme neufs, ben, c'est très bien, il n'y a pas de souci, tout roule ma poule, hein, donc ça veut dire que tous les éléments organiques sont digérés par tes tapis jap. De temps en temps, il faudra quand même les nettoyer parce qu'il y a des choses que les tapis jap ne peuvent pas digérer, c'est les minéraux. Alors les minéraux, tu vas me dire, les minéraux, comment est-ce que je pourrais avoir des minéraux dans mes tapis jap? Ben, tout simplement, par les poussières qui viennent avec le vent, hein, qui apportent évidemment du sable, etc. Et si c'est inférieur à 60 microns, qui est en général la grille standard de chez Vincent, si c'est plus petit que 60 microns, ben ça passera. Forcément, ça va rester accroché dans le tapis japonais. Donc il est quand même important de temps en temps faire un backwash sur tes cuves de filtration, de sorte à éliminer ces choses-là. Mais sinon, ben écoute, c'est normal. Hein, je dirais, chez moi, par exemple, c'est différent dans la mesure, comme moi j'ai de l'eau qui vient de la forêt avec des quantités astronomiques d'argile, bon, forcément, moi j'ai plein de minéraux dans mon filtre, je suis obligé de vraiment le nettoyer plus fréquemment à cause de ça. Mais sans quoi, sinon, il n'y a pas de problème, hein, le tapis jaune. Si le filtre est bien dimensionné, le tapis jap, en principe, ne se salit pas. Donc, merci pour les infos, changement d'eau, et continue les lives, s'il te plaît. De Gilbert, ben, écoute, il n'y a pas de raison que je les arrête. Hein, on va probablement essayer de faire aussi quelques tutos quand ce sera possible. Parce que là, je profite aussi un petit peu du beau temps pour faire quelques travaux chez moi. Parce que bon, c'est bien d'aider les autres, mais il n'y a personne qui m'aide à moi. Donc, comme je suis tout seul pour tout faire, eh bien, forcément, ça me prend du temps. Et quand il fait beau, ben voilà. Hein, maintenant, ici en Belgique, ben, les bricots vont pouvoir réouvrir. Et j'en suis très heureux parce que j'ai l'intention de repeindre mes châssis de fenêtres. Ça me prendra aussi pas mal de temps. Donc, là, il me manque de la couleur pour le faire. Donc, je vais pouvoir faire ça la semaine prochaine en espérant qu'il fasse encore un temps clément. Alors, de Jules, Patrick, quand un tuto cascade? Un tuto cascade,
Il y avait déjà les principales bases qui avaient été données dans le site internet, hein, sur aquatechnobel.be. Tu retrouves ça, si tu fouilles un petit peu dans étangs et bassins, tu vas trouver les règles pour faire de belles cascades, etc. Il y avait aussi des vidéos qui ont été faites sur les cascades, voilà, et puis comment les réaliser. On avait fait ça avec Bandito dans le temps, donc tu peux retrouver ça. Je crois que j'avais refait une version de ça. Et puis voilà, donc il y a moyen de retrouver ça. Il était question de faire un tuto beaucoup plus complet avec Akiflor pour une petite cascade de Panse qui était mon premier bassin en finalité. Mais bon, vu le confinement et tout ça est reporté, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra faire ce tuto. Même chose avec Akiflor aussi, c'était prévu de faire un tuto de réparation de bâches EPDM. Puisque, bon, là aussi, il y a des gens qui ont malheureusement des rongeurs qui sont venus faire des trous, que sais-je encore, ou une bêche qui est tombée, qui a crevé la vache. Mais à moins de le réparer, il n'y a pas de problème. Donc, et là, c'était aussi une vidéo qui permettait de montrer comment installer correctement un passe-paroi sans risque en finalité, sans risque de fuite. Donc, puisque bon, là, ici, il y avait un dégât occasionné sur toujours le même bassin, mais juste au bord d'un passe-paroi. Donc, c'était faire une réparation et en même temps montrer comment est-ce qu'on fait pour placer un passe-paroi sans risque de fuite avec de l'EPDM, bien sûr. Et ça, avec la contribution de quelqu'un de chez Firestone, hein, c'est ce qui avait été proposé par Akiflor, et ça aurait pu être très sympa de faire ça, mais confinement oblige, on ne peut pas le réaliser pour le moment, mais j'espère, d'ailleurs je vais le contacter, tiens, justement Akiflor à ce sujet-là, et de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour faire éventuellement ce tuto-là. Alors de Daniel, salut Patrick, combien de temps vivent les coilles lors d'un transport? Je m'inquiète car ça fait 2 jours qu'elles sont en transit. Elles sont en transit où? Parce que bon, hein, tout dépend de où. Parce que s'il fait très chaud, évidemment, ça va durer moins longtemps que s'il fait froid. Donc, partant froid, là, je dirais normalement 48 heures s'ils ont été bien emballés. Mais bon, est-ce qu'ils ont été bien emballés? Je ne sais pas. Je ne saurais pas te répondre comme ça, 48 heures, même un peu plus, ça c'est ce qui se passe pour le transport des koi quand ils viennent du Japon. Donc maintenant, ils sont évidemment emballés avec comment dire, des plaquettes qui annulent l'ammoniac, ils sont mis évidemment avec de l'oxygène, etc. Donc tout ça fait qu'on donne les meilleures conditions pour des transports longs. Donc je ne sais pas comment ça a été emballé, ni rien du tout. Donc ça me paraît bizarre, 2 jours en transit. Il faudrait que tu me donnes plus d'explications. Hein, ben bon, voilà. Je peux pas te dire plus, envoie-moi un mail. Hein, alors de Patrick, bonjour à tous. Après chaque changement d'eau, doit-on remettre des bactéries? Si oui, à quelle dose? Merci pour tes conseils. Pour 800 litres d'eau renouvelée. Ben écoute Patrick, non, c'est pas obligatoire de remettre des bactéries. Hein. Tu peux suivre les indications des bactéries que tu utilises. Hein. Donc, bon, il y a tellement de bactéries sur le marché. Le biota, tu peux en mettre toutes les semaines. Hein, parce que bon, là, évidemment, on ne surdose jamais les bactéries. En général du marché. Donc, pour le BioGrow, ce que j'ai essayé chez moi, donc j'ai fait la démonstration. Là, on n'en remet qu'une fois par mois. Donc, et à raison d'une demi. Donc, il y a une dose à faire, je veux dire, au départ de la saison complète. Et puis, c'est une demi-dose tous les mois. Donc, en fonction du volume du bassin, ben, c'est facile à calculer de combien de BioGrow tu as besoin. Les coteries, etc. On conseille d'en mettre une fois toutes les semaines, puis Bactogène, pareil, etc. Bon, chez Oas, je ne connais pas exactement les taux de rajout de bactéries, mais bon, vous pouvez le faire une fois par semaine, vous pouvez le faire une fois tous les mois. Ça dépend un petit peu de la qualité de votre eau et de comment ça se passe sur votre bassin aussi. Hein, donc voilà.
Rodrigo, salut Patrick, quel dosage pour le traitement au sel? Traitement pourquoi? Parce que bon, ça c'est une question qui veut rien dire. Si on traite traité au sel, il y a le DIP, c'est pas la même chose que de faire de la maintenance au sel, qui n'est pas la même chose non plus pour certaines mises en œuvre, par exemple lorsqu'on apporte de nouveaux poissons dans un bassin, qui n'est pas la même chose si on veut déstresser les poissons ou si on a vraiment un traitement du bassin à faire par rapport au sel. Donc il faudrait que tu m'envoies un mail avec, que tu m'écrives un petit peu qu'est-ce que tu veux faire exactement au sel. Alors de Benoît, j'ai dû faire un traitement au Lernex Pro. Il y a une semaine, pour cause de parasites Gyrodactylus, puis j'ai utilisé le Super Tap car mes koi ont le blanc qui vire au rose. Ah oui, là tu as intérêt à utiliser du Super Tap. Hein. Donc voilà, tu respectes les conditionnements du Super Tap, n'oublie pas de le diluer avant de le mettre dans le bassin. Et voilà, ça c'est un bel exemple, Benoît, d'utilisation du Super Tap. Si tu en as, ben, je te félicite et ne traîne pas pour le faire. Si c'est possible de le faire encore aujourd'hui, fais-le. Alors, de Didier, Patrick, quand tu ajoutes du sel dans ton bassin, comment fais-tu? Ah, si je dois rajouter du sel dans mon bassin, par exemple pour amener une grande quantité de poissons, je vais l'utiliser en une seule fois. Donc, c'est-à-dire que bon, chez moi, il faut rajouter pas loin d'une tonne de sel. Hein. Donc, ce qui fait que bah, on met tous les sacs sur le bord du bassin et puis on bac tout en une fois. Ça va créer un choc. Si on ne fait pas ça, ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut créer un choc. Et qu'est-ce qu'on constate quand on fait ce genre de manip? C'est que bah, les poissons vont venir nager dans le sel. Donc, les concentrations vont être très élevées sur des endroits où le sel est tombé, puisqu'il ne va pas se diluer directement. Et ça va leur permettre de leur faire du bien. Ils vont vraiment nager dans le sel. Donc ils font eux-mêmes leur propre dip en quelque sorte hein, quand on fait un apport de sel. Donc on ne dilue jamais le sel avant, c'est toujours en une fois. On met tout le paquet en une fois. Alors, de Daniel, salut Patrick, combien de temps peut vivre des koi dans un bassin? Je dis, poisson d'or. Par poisson d'or, et puis je te conseille quand même, Daniel, d'appeler poisson d'or parce que ça me semble pas normal dans le sens où il y a tous les envois qui ont été faits se sont relativement bien passés. Poisson d'or a l'avantage d'emballer correctement et qui font de l'apport d'oxygène. Ça devrait encore le faire, mais il faudra voir dans quel état il arrive le poisson et surtout faire des photos quand il va arriver. Donc, renseigne-toi, appelle Poisson d'Or quand même pour leur signaler le problème et voir avec eux qu'est-ce qui se passe avec UPS. Alors, de Vince, salut Patrick, le nombre de bondes a-t-il un lien avec le nombre d'airlift diamétrique équivalent? Deux bondes de fond pour combien d'évacuations pour éviter un débordement en gravitaire? En gravitaire, un débordement est impossible, hein, puisque bon. Le pompage se fait après le filtre. Donc on essaye toujours de vider le filtre. Donc on ne peut pas faire déborder un filtre gravitaire. C'est pas possible. Donc à moins qu'il est plus bas que le bassin, alors là évidemment, il risque de déborder, bien sûr. Mais alors c'est une erreur de conception du bassin. Donc en fait, on ne calcule pas un nombre d'airlift. Par rapport au nombre de bondes de fond, on calcule le nombre d'airlifts qu'on a besoin par rapport au débit qu'on a besoin dans le bassin. Alors, déjà pour commencer, les bondes de fond, elles sont calculées par rapport on met une bonde de fond tous les 5 mètres. Et puis, elles vont être aussi calculées en fonction du débit qu'on souhaite avoir. Donc, il faut savoir qu'une bonde de fond en gravitaire pure ne peut pas absorber plus de 9 mètres cubes heure. Donc, si maintenant tu as un très très grand bassin et que tu mets qu'une seule bonde de fond, eh ben, le maximum que tu peux tirer de ça, c'est 9 mètres cubes heure. Donc, après, bon, il y a toujours les skimmers qui peuvent aussi jouer un rôle. Et quand on utilise les skimmers, comme chez moi par exemple, avec une pompe, vraiment, on peut tirer ce qu'on veut. Donc, ça va éventuellement complémenter.
Donc la question, tu pourrais mettre 10 bondes, 10 airlifts sur une bonde de fond, mais tu n'en tireras quand même pas plus que 9 mètres cubes heure. Donc ça, c'est déjà un problème. Donc le libellé de la question n'est pas bon. Il faut qu'on mette un d'évacuation. Ça dépend aussi quel filtre tu utilises. Est-ce que c'est un filtre fait maison? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. Donc, je dois avoir. Il faudrait que tu me fasses un schéma exact avec une coupe éventuellement de voir un petit peu ce que tu as comme filtre, comment ça se présente et qu'est-ce que tu veux faire. Parce que là, je crois qu'on est mal barre. Dans ta réflexion, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce qui veut dire que bah, tu risques d'aller dans le mur. Alors, de Pierre, suite du point sur le biofilm. Je viens de faire deux traitements préventifs au SuperTAP dosé à 0,4, espacé de 48. Ça peut être la cause du problème, effectivement, ça peut être la cause du problème. Donc, ce qu'il faudra faire alors à ce moment-là, c'est de vraiment réensemencer en bactéries et avec les doses de départ. Parce que ça veut dire que là, ton bassin, il y a quelque chose. Il y a probablement autre chose que le SuperTAP qui fait que, en fait, que le SuperTAP a réagi avec une autre matière qui se trouve dans l'eau et qui crée en fait ce problème-là. J'ai déjà pu constater ce genre de phénomène, mais la seule chose à faire, c'est de nettoyer le filtre, toujours avec l'eau du bassin, bien sûr. Et il faut voir aussi qu'est-ce que tu as comme filtre, qu'est-ce qu'il y a, parce que ça se peut aussi que le filtre, lui, il est trop limite et que ça lui pose un problème. Hein. Donc, il faudrait aussi que j'ai un schéma de ce que tu as, de comment c'est organisé, etc., pour voir un petit peu qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Le volume du bassin, quel type de pompage tu as, etc., etc., les bulleurs, tout ce que tu peux marquer, il faudrait un libellé complet pour y voir un peu plus clair. Alors, Johan, salut, que penses-tu de l'efficacité des éco-pond chips? Est-ce que je peux les mélanger avec des Helix? Oui, tu peux les mélanger. Bah, c'est probablement d'après un test qui avait été fait avec. Allez, comment ça s'appelle maintenant? Esprit Koi. Sur Facebook, apparemment, ces éco-pond chips, c'est certainement le meilleur système en moving bed par rapport à tout le reste. Donc voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Tu peux les mélanger, il n'y a pas de souci non plus. Maintenant, bon, après, ça reste comment je veux dire, du moving bed. Hein. Moving bed, il ne faut pas s'attendre à un miracle non plus. Hein. Donc Léo, c'est pour savoir le dosage de sel. Pour traiter les parasites. On ne sait pas traiter les parasites avec le sel. Donc c'est une mauvaise question. Le sel ne va pas traiter les parasites. Aucun parasite. Donc c'est même pas la peine de commencer au sel. Il faut déterminer quel parasite et puis après voir qu'est-ce qu'on va faire comme traitement. Et voilà. Mais avec du sel, ça marche pas. Adam, Vince, Patrick, merci pour la réponse. J'aimerais te soumettre par mail mon projet de modification de bassin. Je passe d'un mode pompé en gravitaire, avec ton accord bien entendu. Ben écoute, il n'y a pas d'accord à donner. Hein. Tu m'envoies, c'est aquatechnobel@gmail.com, hein, aquatechnobel@gmail.com, et puis tu m'envoies ça, et puis je regarderai. Si tu vas sur mon site aquatechnobel.be, tu as encore toujours mon numéro de téléphone, voilà, et puis laisse-moi le tien, hein, s'il te plaît, parce que bon, j'ai pas toujours le temps d'écrire un roman pour chaque cas, et comme on n'en voit qu'un régulièrement, je préfère finalement téléphoner et discuter. Ça va beaucoup plus vite que d'écrire des textes qui n'en finissent plus. Alors, de Catherine Claire, salut Patrick, tu dis que tu es seul à t'occuper de ton jardin. Mais je crois que tu as oublié que Monsieur Patrick s'en occupe aussi. Ah, ouais, mais d'accord, je vois qui tu veux dire, mais bon, c'est MacGyver, hein, pour ceux qui suivent un petit peu. MacGyver vient donner de temps en temps un petit coup de main. C'était pour l'ancien bassin, et puis chez moi, c'était plutôt pour de l'élagage, parce que bon, ça, je ne suis pas équipé pour, et puis voilà, c'est tout, hein. Mais sinon, tout le reste, il n'y a personne qui vient me donner un coup de main.
Alors, Pierre, biofilm suite bassin gravitaire de 17 mètres cubes avec 9 coils, tambour, puis filtre monochambre de 1 mètre cube tapis japonais. Oui, ok. Ben dis-moi, vitesse de filtration, etc. Enfin, le débit que tu fais passer là-dedans, etc. Est-ce qu'il y a des bulleurs dans ton filtre monochambre? C'est quel type de filtre, etc. On aura un peu plus d'infos et écris ça par mail parce que sans quoi, ici dans le live, ce sera un peu compliqué. Peut-être que j'ai peut-être une proposition à vous faire. Dans certains cas, je peux toujours faire des duplex en Skype. Et on peut peut-être résoudre quelques problèmes comme ça au travers de l'un ou l'autre amateur et d'avoir une discussion ouverte. Et comme ça permettrait que tout le monde puisse participer à la discussion et peut-être apprendre une chose en passant. C'est une idée comme ça qui me vient juste à l'instant. Pourquoi pas, hein? Donc je l'ai fait avec les professionnels, pourquoi pas avec des amateurs qui veulent faire des modifications importantes dans leur bassin, comme passer de pompé en gravitaire. Attention, il y a des pièges à éviter. Hein, il faut faire attention avec ça. Voilà. Les pompes pression Oase de Dominique. Ben écoute, les pompes pression Oase, j'en pense rien du tout. Je ne sais pas. Oase en général font du très bon matériel. Il n'y a pas de raison qu'ils ne font pas des bonnes pompes pression. Mais bon, ça dépend de ce qu'on a besoin. Hein. S'il faut alimenter une rampe de nettoyage d'un filtre à tambour, généralement il faut 4 bars. S'ils font 4 bars, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne font pas 4 bars, ça ne fera pas. Alors bon, tu as différents types de pompes pression aussi, hein, donc il faut voir les spécifications techniques et quel usage on veut en faire. Merci Patrick. Quand ton prochain passage au jardin aquatique, je suis du côté de Bourg. Au jardin aquatique, je ne passerai sans doute plus, ne souhaite plus me voir, bien dommage. J'apprécie beaucoup le jardin aquatique, qui est une très bonne maison du reste, donc. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour et de visiter le parc quand ce sera possible de le faire. Croyez-moi, vous ne regretterez pas votre déplacement. Mais par contre, j'irai sans doute chez Ikekoi. Et Ikekoi, lui, ils sont juste à côté de Bourg-en-Bresse. Quand je dis à côté, on parle de quoi? De quelques kilomètres, hein, 4-5 kilomètres de Bourg-en-Bresse. Donc, tu auras plus facile quand je passerai chez Ikekoi plutôt qu'au jardin aquatique. Alors Pierre, merci, je t'envoie un mail. Eh bien écoute, voilà. Moi, je crois que je vais mettre fin à cette session pour aujourd'hui. On va voir un petit peu si vous étiez quelques-uns à suivre ce live. Ben, quand même, 377 personnes qui ont suivi ce live. Ben, merci à vous toujours pour votre fidélité. Alors, puisque bon, le son refonctionne correctement, eh bien, j'espère que ben, ce sera un peu plus agréable pour suivre ce live. Et puis moi, si vous avez aimé le live, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis si vous n'avez pas aimé, bah, vous mettez un pouce à l'envers. Et puis c'est tout, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Tout le monde sait qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, il me reste à vous dire à très très bientôt. N'oubliez pas, soyez attentifs pour les aquariophiles, qu'on essaiera de faire un live spécial avec David de Poisson d'Or. Ben pour les amateurs de koi aussi, hein, bien sûr, puisqu'on donnera des informations générales sur poisson d'or, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. J'espère pouvoir mettre ça en place encore la semaine prochaine. Donc, soyez attentifs, ça sera annoncé à l'avance. Moi, il me reste à vous dire bonne soirée à tous. Et puis, en attendant, ben, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous, ciao, ciao.